Bienvenue à Chien de jeu! Aujourd'hui, on vous présente le tout mignon Takeroko. Takeroko, c'est un beau jeu qui a gagné plusieurs prix. Mais il n'est pas seulement beau, il est aussi original, amusant, il y a des dynamiques qui sont particulières. Mais derrière ces belles couleurs, elles sont va se chicaner. Dans Takeroko, c'est que pour faire des points, il faut réaliser des objectifs de trois sortes. La première, on doit placer des hexagones qui correspondent à des parcelles de territoire sur une bambouseraie, une plantation de bambou. Le deuxième objectif, c'est de faire de l'agriculture avec ce cultivateur et il fait pousser, bien sûr, du bambou. Et finalement, le troisième type d'objectif, ce sont les objectifs avec le panda, qui doit se nourrir de certaines couleurs de bambou. Mais le cultivateur, le panda et les parcelles de terrain sont utilisables par tous les joueurs. T'es-tu en train de dire qu'on construit le jeu ensemble? Parce que je suis pas certaine, moi, que j'ai envie de construire avec lui, surtout après la partie de Citadelle. Ce sera pas si pire que ça. Oui. Prendre l'avance. Madame! De toute beauté! Parce que moi aussi, je te rattrape grâce à ton coup! Ce qui est bon pour toi est bon pour moi! Ce qui est bon pour toi est bon pour moi? Je ne pouvais pas y aller en ligne droite, mais grâce à toi! Alléluia! C'est facile! Quel bon tour! J'aime ce jeu! Tu fais aucun effort, ni intellectuel, ni physique, et récompense. Hey, c'est beau ce que tu viens de faire! Je suis contente. Je vais brasser mon dé, puis après je vais te dire comment je suis contente. On chicane pas de Takeroko. Elle est en train de perdre, puis elle est contente. C'est vraiment spécial. Elle est juste... Ok, ouais. Maintenant, c'est ce point de retard, mais qui va se rétablir très bientôt. J'atteins deux objectifs à la fois. Man! Hé! Je perds-tu encore ou... Bon, fait que là, je suis obligé de... Perdre? Ouais. Et c'est tout. Plus j'ai ma carte. Et là, ça devient serré. Je suis à 26. Ah! 28. Non, je suis à 28. On est égal. Ah! Je place ceci. Ce qui fait cela. Ce qui fait ceci. Merci. C'est pour le mettre à ton tour, ça. Mais... pas moyen de chicaner un jeu-là. Mais c'est qu'on ne s'influence pas directement. C'est ça. C'est vrai que tu peux pas déjouer l'autre. Donc, si on jouait les objectifs à découvrir, peut-être qu'on pourrait plus se bloquer. Finalement, ça va pas si mal que ça. À part quand t'as essayé de m'empêcher de faire mes objectifs. Je peux juste essayer, j'ai réussi. Il est déjà là-dessus. Il est déjà dessus. T'es penché, hein? J'espère que je t'aide pas en faisant ça. Le quai, alors que d'habitude, je suis quand même chanceux, ça me donne des points. Et j'ai été bloqué avec des grosses. Des grosses impossibilités. Ce qui fait que c'est 10 sur 10 cette crise de jeu-là. Fabuette. On n'a même pas compté les points, ça se peut que tu gagnes quand même. Ben non. On s'est pas plus chicané que ça. Je pense qu'on s'aime trop pour se chicaner. Ah, oh, ça expliquerait aussi pourquoi je riais de toutes tes jokes plates. Ah oh, oui. Ok, quelles actions vais-je faire? Personne ne le sait, ni vous, ni elle. C'est juste ça, là. Une place à une brique rouge, une auto, une. Tu serais pas avec moi si je parlais comme ça? Non! Quoi? On est outils encore. Fait que je vais faire un déplacement de pendant, puis. 30. 35. 37. Hop. Tu me vois de 1? Yeah! Oh. Regardez comment elle est contente même quand elle perd. Mais à un point d'écart, c'est quand même cute. C'est fait pour qu'on ne se déteste pas trop. Comme à si faible. J'ai gagné avec un point. Oh là, t'as rien à montrer. Je vais te parler d'autres choses, ça n'a pas rapport.
Donc, il n'y a rien pour se chicaner dans ce jeu-là. Je pense qu'il y a une chose, par exemple. T'as manie de me reprendre sur tous les mots que je dis. Oui. Puis, carte. Un objectif ou une parcelle? Une parcelle. C'est pas une carte. Ah, c'est un hexagone. Un hexagone. The yellow is pushing from beneath the soul. Oh mon dieu! Fait que les pandas se déplacent, mange du jaune, vomit ses deux jaunes. Richard. Il va harvester. Il va faire ce à de quoi l'agriculture. Il sert. Les exercices à découvert. C'est une bonne idée, ça. Les objectifs, ouais. C'est ainsi que se termine ce tour avec un meilleur vocabulaire. Mais ça compte pas. C'est pas la faute du jeu. C'est plutôt parce que t'es vraiment talent. Oh, talent! Mais c'est pas grave, ça m'insulte pas parce qu'on a vraiment eu du fun quand même. Parce que c'est l'heure d'aller au Chicanometer! Bon, ben, faut se rendre à l'évidence. Il n'y a pas une once de chicane là-dedans. On donne donc la note de 1. Trop facile. Pas de chicane. Non, pas de boudage pendant les semaines. Juste du beau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que vous aimez Takenoko, vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est déjà chicané à ce jeu-là? Ce serait étonnant, mais si c'est le cas, laissez-le savoir en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à Chicane de jeu!